Bonsoir à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous pour 30 minutes maximum de news tech, films, séries, télé, billets d'humeur aujourd'hui parce qu'on est en replay, alors c'est pas la peine de mettre des commentaires, je ne vous répondrai pas, je ne suis pas là. Enfin, peut-être je serai là, mais du coup, en différé, donc ce n'est pas un live, un jour sur deux, il fallait poser tes questions hier et la prochaine c'est mardi. Voilà, abonne-toi. Et lâche un pouce en l'air, bien évidemment, parce que si tu likes l'accro, lâche un petit like. Allez, comme toujours, vous retrouverez cette émission en podcast, bien évidemment. Et vous la retrouverez également en, bah là, pour vous, pas trop en replay sur YouTube, vu que ça sera à l'heure, déjà en différé. Donc ça sera... T'as compris ? C'est bon, tu l'as ou pas ? Bon, on remercie nos cafeteurs du jour qui m'ont payé un café sur Tipeee et qui rejoignent donc la grande famille du JT Geek, qui sont donc Fax, Naruzaki... Et Romain, voilà. Merci les gars pour les cafés. Je n'en ai pas pris parce que là, pour moi, il est 5h de l'après-midi. Il fait une chaleur à crever. Je suis obligé de mettre le ventilo. Bah ouais, on est au mois d'octobre. Hein. Dis donc, commence à faire chaud. Hein. Et voilà. Donc, merci à vous. Ouh. Bon, allez, on attaque tout de suite par les news de la journée. Il n'y avait rien du tout aujourd'hui. Je t'ai bricolé avec rien. Première news, c'est le Nokia 7.1 avec un teaser. Ouh, plein de mystères, avec rien dedans, hein, juste, on fait des effets bokeh chez Nokia, ouh, avec deux caméras à l'arrière. Alors en fait, ça veut dire quoi ? Soit que c'est une bombasse et que c'est plein de teasers, soit que c'est une grosse merde. Mais non, mais tout de suite, non mais voilà, tout de suite, voilà, tu me dis, bah c'est une grosse merde, non ! C'est une petite merde, elle est pas grosse, elle est pas si grosse que ça, alors. Non, bon, bah oui, oui, un peu, quand même, pas trop. Bon, Nokia 7.1, bon, voilà, ça c'est toute la pub. Donc juste pour dire, voilà, notre téléphone, il fait des effets bokeh et il est beau. Beau comme bokeh, tu vois ce que je veux dire ? Il y avait un... Je pourrais travailler chez Nokia, je te le dis moi. Bon, Nokia 7.1, Watch, bon après on s'en fout. Donc les photos, tu vas pas faire des photos avec. On est quand même en 2018 les mecs. Hein. Un écran HDR, voilà, des trucs qui ne veulent rien dire toujours. Hein. Oui, le contraste, te rends pas compte toi, SDR tout HDR, ouh, tu vois. Bon, bah, un look de luxe, hein, chinois surtout, oui, voilà. Bon, bah oui, bah, alors on dit comme les autres quoi. Mais lui, luxurieux, tu vois. Premium, j'aime bien ce mot. Un écran Full HD 5,84 pouces, bon bah au format 19/9 avec une encoche notch, oui, bon bah bien, c'est bien, on est dans la tendance, nickel. 3 ou 4 Go de RAM, 16 ou 32 Go de RAM, enfin ça je les ai marqués en bas, plus micro SD jusqu'à 400 Go, enfin bon, 3-4 Go de RAM, je veux dire, il n'y a pas de quoi se la taper contre la table, hein, tu vois ce que je veux dire ? Sur le tome, je tape comme ça. Bon, belle innovation Android. Prêt, listen. Donc, je sais pas s'il donne les écouteurs avec. Ça serait bien. Voilà, écran 5,4 pouces. 12 plus 5 à l'arrière. Donc, voilà. 8 mégas à l'avant. Voilà, quoi, tu vois. Ouais, bien. Un Snapdragon 636. Ouh, attention. Ouais, mais ça suffit. En même temps, ça suffit. On est moqueur. Parce que, bon, je veux dire, voilà. 3-4 Go de RAM ou 32-64. Ah, j'étais un peu langue de pute. 3264, micro SD, batterie 3000 et quel 3060, une prise jack. Voilà. Nokia est quand même une marque qui, on peut quand même féliciter. Je pense que jamais une marque sonnera aussi bien à l'oreille pour les mecs qui ont plus de 30 ans, comme moi. Bon, un peu plus, d'accord. Bon, 40, d'accord. Et tu dis Nokia. Oh, Nokia, mais ça met tellement de... Tu vois ce que je veux dire ? Ça remonte tellement d'images à moi. Nokia, mon 3210, mon 3310, le Nokia de Matrix, le 9210, qui était une merde atomique, en noir et blanc, mais tout le monde voulait. C'était trop bien et tout. Toi, le téléphone de Matrix, truc. Enfin, jamais une marque m'a autant... Tu sais, Nokia, tu sais, autant Motorola, c'était quand même... Il y avait plus de Motorola en plus, mais... Mais c'était moins fashion, Nokia, c'était vraiment le truc avec la sonnerie. Et vas-y, qu'est-ce qu'on était con à cet âge-là, en Mavelec. Voilà, donc Nokia. Et maintenant, je pense qu'il y a vraiment une marque que j'ai juste pas envie d'acheter, c'est Nokia. Ça me fait juste ni chaude ni froide. Voilà, je veux dire Nokia, aujourd'hui on me dirait tu veux un Nokia, je... Non, bah non, tu vois, aucun ressenti, tu vois ce que je veux dire. On pourrait dire, oui, mais c'est quand même un Nokia et tout, non tu... Là, franchement, le téléphone, ni plus ni moins, je veux dire. Ça ou un... Et franchement, de mon avis personnel, tu me dis Nokia 7.1 ou un Humidigi One Pro machin, ou un Z2 truc,
J'ai presque tendance à te dire Humidigi, tu vois. C'est. Voilà, il y a un petit truc là, il n'y a rien, quoi. Ce que je veux dire. Mais jusqu'à la pub où c'est moisi. Voilà. Et ça, on peut féliciter Nokia pour avoir quand même réussi à flinguer une marque qui était quand même. Un Nokia, je veux dire, si t'as pas eu un Nokia, si t'as 40 ans que t'as pas eu un Nokia dans ta vie, c'est que ta vie elle est ratée. Hein. C'était pas la Rolex qu'il te fallait, hein. C'était un Nokia. Hein. Je veux dire, si t'en as pas eu un, c'est que il y a eu un problème dans ta vie quelque part. Hein. Donc voilà, donc c'était tout. Voilà, merci. Au revoir. On a fait un peu le billet d'humeur en même temps. Je sais pas pourquoi je suis autant, excentré, décalé. Voilà. Ouais, je vais me mettre un peu plus par là. C'est bon. Ouais, regarde. Je sais pas, je suis pas en face des trous, c'est vendredi. Bon, allez, on revient sur de la news. Le Huawei Mate 20, putain, il va arriver un jour téléphone, hein, je pense. C'est comme le Xiaomi Mi Mix 3. Un jour ou l'autre. Là, quand même, le Huawei Mate, on a eu news de news, de news, de leaks, de photos, de on sait tout. Que même nous, on avait les news depuis la Chine, comme quoi il y aurait 4 caméras à l'arrière et tout. Une petite goutte d'eau, trop bien, trop jolie. Et le téléphone, voilà quoi. Bon, Lodge. Set to launch his Mate série. Alors le Mate 20 et Mate Pro, launch event schedule tout 16 octobre. Ah bah c'est bientôt, voilà. Bon, il ne reste plus que 11 jours à tirer, on saura enfin, enfin vu qu'on sait déjà tout, ce qu'il va y avoir dedans. Bon bah le téléphone, il est trop bien, trop merveilleux. Un écran 6,43 pouces en Full HD. LCD display, rien de plus. Mais bon, Apple vous aura prouvé qu'on n'a pas besoin de mettre de l'AMOLED pour vendre des téléphones à 800 euros. C'était pas ça, c'était pas ça. Il n'y a pas besoin de mettre des écrans AMOLED en Full HD pour vendre des téléphones de 800 euros. Voilà, c'était ça la blague. Bon, eux, quand même, ils mettent quand même du Full HD, machin. 1900, bon, en 19e, donc c'est du Full HD, on est bien d'accord. Advanced Facial Recognition. Donc, tu vas te. Waouh, tu vois. Et le Pro, lui, aura bien le. En fait, la version pas Pro, la version normale, en gros, elle aura le Touch ID à l'arrière. On le voit bien hein, sur la photo, là. Tu vois. Le truc, toi, tu vois bien. Moi, je vois pas trop bien. Tu vois? Ah ouais, non, pas bien non plus. Alors que le 20 Pro, lui, aura directement sous l'écran. C'est normal. Je veux dire, attends, c'est un peu la seule innovation qu'on a eu en 2018. Je peux dire, il va falloir qu'ils la rentabilisent. Même OnePlus, ils ont refait une news en disant ah, le OnePlus 6T, vous êtes tous en train de dire c'est la nouvelle génération. Mais ça, je le savais d'hier déjà. Ça pue, ça sentait comme ça. J'ai dit, attends, les mecs, ils vont pas nous sortir une deuxième génération. Ça va être la dernière génération avec des capacités de traces de doigts sur l'écran jamais atteintes. Jamais inégalées. Bon, bah, le téléphone, lui, aura un Kirin 980. Donc, ça, c'est bien. Un processeur à 7 nanomètres. Alors là, je peux dire avec ça, t'es à la cour de récré, t'es peinard. Hein. Ah, pour envoyer les SMS, ah, je peux te dire. À la vitesse de l'éclair. Bon, 4, 6 ou 8 Go de RAM, 64, 128, 256 ou 512 Go de ROM. Pas mal du tout. Bon, Android 8.1, là, ça chie un peu quand même. Mais bon, c'est sous MIUI 8.2. Une batterie 4000, ça, c'est pas mal. Bon, par contre, les prix, ils sont bien tout de suite. Hein. Le Mate 20 sera en trois couleurs, black, bleu et Twilight. As for price, all Mate 20, alors ça commencera à 799 francs suisses. C'est étonnant, ça. La base, c'est les francs suisses. Bon, il y a la fuite de venir. 800 dollars le prix d'entrée, donc 800 euros chez vous, hein. 849. Ben oui, parce que bon, on croyait qu'un euro égale un dollar avant, toi, qu'un truc tu divisais, tu quand même, c'est moi, non, petit oncle, tu rajoutes 20%, oui. Et après, le Mate 20 Pro commencera à 1000 dollars. Là, ça commence à être pas mal. Là, c'est bien. Ouais, mais c'est bien. Je veux dire, maintenant, ça va rentrer dans les esprits à force où les gens diront, voilà, maintenant, c'est un SMIC. Pour un téléphone, ça va rentrer dans les esprits. Les gens vont l'accepter. Ça va bien se passer, tu vas voir. Non, non, c'est bien. Voilà. C'est un peu les deux seules news de la journée qui auront permis, non pas de vous apprendre quelque chose, parce que les news étaient quand même relativement à chier, on était bien d'accord, mais j'aurais essayé de vous distraire tant que j'ai pu. Et là aura été quand même la performance de passer un bon moment avec des news bien de merde quand même. D'accord? C'est bon? On enchaîne. Voilà. Alors bon, les news high-tech, on a fini. On va parler un peu de. Alors j'ai fini hier la série télé Les Rivières Pourpres, disponible sur RTS en Switzerland, bien évidemment. Et surtout les téléchargements légaux en torrent, bien évidemment. Tous ceux qui achètent des torrents, bah vous pouvez le télécharger. Les deux derniers étaient les moins bien, avec les moines, là, la musique et tout. C'était le moins bien de toute la série, en fait. Toute la série, c'était pas mal. Et là, le dernier, c'était quand même un peu de la merde, quoi. Tu vois, rien compris. Mis de suspense, de mais non. Tu vois ce que je veux dire? On rentre un peu dans le truc. Oui, mais tu vas. C'est le secret, le secret. Waouh,
truc de Dieu, truc. Et là, tu dis, et en fait, non. Si, un petit peu, toi, t'as la révélation un peu, mais. Et de la merde, toi, avec les hard rock, là, machin et tout. Non, c'est bidon. Ah, ça a fini, j'étais déçu. Toute la saison était bien, les 6 épisodes, et là, le 7 et 8. Alors, à la fin du 6, il y a marqué fin de la saison 1, et à la fin du 8, il y a marqué fin de la saison 1. Donc, je pense qu'ils ont dû se dire, ils ont dû faire fin de la saison 1. Puis, ah merde, il en reste deux, les plus mauvais, on a oublié de les mettre. Alors qu'ils les auraient mis au début. Ah, les gens n'auraient pas regardé. C'est vrai, ils ont regardé ça depuis le début. J'aurais dit, putain, c'est ça leur truc. Voyons, bah, c'est nul. Hein. Voilà. Parce que tout est mauvais, en fait, dans l'épisode. L'histoire, même lui, l'acteur, l'autre, Larousse, l'habitude, qui frappasse, qui fracasse bien en mode Ultimate Fighting, là. Bon, voilà, se prend une rouste. Non, non, tu vois, rien. Non, pas trop. Pas tant que ça. Voilà. Bon, c'était tout. Voilà, bonsoir. Ce soir, je me fais Dr. Good. Voilà, mais au moins avec Dr. Good, on n'est pas déçu. On sait que déjà, il est good, docteur. Donc, ça, c'est bien. Puis, j'ai pas mal de conneries téléchargées, là. Donc, il va y avoir un week-end de fou. Je rappelle, ma copine, elle est à Chiang Mai avec sa sœur. Vous pouvez aller voir sur son site. Ça s'appelle gookpix.com. Gookpix.com. Elle raconte sa vie. Elle voit des temples et tout. Et voilà. Et on en revient à mon billet d'humeur. Hier, Madame Gouki, elle m'appelle, puis elle me dit, oh, je peux t'appeler. Je dis, oh, ça y est. Elle a fait une connerie, tu sais, quand elle a été chrétienne. Oui, alors voilà, en fait, on était truc, et puis j'allais prendre une photo, et le téléphone, il a glissé. Et voilà, tu verrais la gueule du Black Shark. Dis donc, pff, ah, mais il n'est pas tombé de haut et tout. Bah, ça suffit, hein, je veux dire, il suffit pas de tomber de haut, hein, il suffit de tomber au bon endroit, dans l'angle. C'est sur l'avant, comme ça, dans l'angle, l'écran, il est fracassé complet. Ah, bien là. Bon, c'est vrai qu'elle l'aimait pas, hein. Les photos sont quand même pas bonnes, on va dire, hein. De loin, ça va, mais dès que tu veux prendre des trucs un peu nets. Eh ben, pas ni ni pas net, hein. Donc, tu vois, c'est pas terrible et ça bug souvent. Le logiciel est en train de taper, l'application plante, faut qu'elle ferme, qu'elle ouvre et tout. Donc, elle était assez déçue du Black Shark qui était quand même annoncé comme le téléphone un des plus puissants et qu'à l'usage, elle me dit non, c'est les photos sont pas bonnes souvent ça plante, des fois ça marche pas. Voilà, donc elle était assez déçue. On attendait, comme toujours, l'inénarrable. La mise à jour qui n'arrivait jamais. Et jamais elle est venue. Et puis là, bon, elle viendra plus, là, comme c'est parti. Donc, du coup, le téléphone est fracassé complet. Mais que de l'écran. Ça va, tout autour, c'est bien. Mais l'écran, il est fracasse. Donc, du coup, je dis, bon, c'est marrant. Ouais, alors, genre, oui, non, mais je veux le changer et tout. Et là, tu le casses. Mais non, mais c'est un accident. Tu sais, les accidents. Les accidents de filles. Tu sais, quand elles veulent changer. Oh, c'est un accident. Il est tombé tout seul de la tour Eiffel. On allait à la tour Eiffel. Et voilà, donc son téléphone est cassé. Alors c'est vrai qu'elle n'était pas très très contente, mais tant pis. Hein. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de contente ou pas. Le téléphone est cassé. Donc elle attend maintenant le prochain Xiaomi. Donc le prochain Xiaomi qu'on devrait recevoir, c'est le Redmi 6 Pro de mémoire. Des noms un peu bizarres. Hein. C'est le prochain. Gearbest a dit qu'il allait nous l'envoyer. Parce que le Vivonex, je dis non. Elle me dit, on a. Et puis elle me dit, t'avais pas encore le Vivonex? Je dis non, non. Là, c'est bon. Le Vivonex, j'ai encore pas fait la review. Et vendu presque. Hein. J'ai déjà un pote là qui est ici. Il m'a dit, parce qu'il est pas disponible en Thaïlande. Et moi, je me le suis importé. J'ai payé déjà 75 euros de taxes. Hein. Donc j'ai dit, plus le prix, plus pas disponible que tout obligé d'importer, plus la taxe. Ça fait un téléphone qui n'est pas donné. Donc, là, il est là, il est beau, il est prêt. Je te fais un petit prix. Et en plus, il est en version globale et tout. Donc, voilà. Finis la review et reviens me voir. Voilà. Donc, du coup, Vivonex. Non, après, si en plus elle le casse, elle a quand même un peu les boules, quoi. J'ai plus besoin de sous que de ma copine. Elle a un Vivonex carrément mieux que le mien, quoi. Même si le mien, il est bien. Je rappelle, j'ai un Mi Max 3, moi. Très content. Mais bon, après, c'est un téléphone à 220 boules. Donc, ça fait des photos bien, des vidéos correctes. Grand écran, une batterie exceptionnelle. Mais voilà quoi, c'est pas, t'as pas tout ce qu'il a fait de mieux dedans, ce qui paraît normal. Voilà pour mon petit billet d'humeur. Quelle heure il est? 17. Je suis bien. Mais en fait, j'avais rien aujourd'hui comme news et je pense que je vais arriver à tenir 30 minutes. Allez, je voudrais vous parler d'une news que. Bah, en fait, en vidéo YouTube, il n'y a rien en ce moment. Je veux dire. Alors, je sais pas si je suis pas abonné aux bonnes personnes. Mais enfin, bon, les autres, je les aime pas. C'est pour ça que je suis pas abonné. Mais j'ai rien trouvé de bien. Le seul truc bien, c'est une vidéo d'automoto. Une vidéo qui. C'est concernant le Suzuki Jimny. Et on dirait un Jeep, mais c'est un Jeep Suzuki, donc c'est moins cher. Pas excessivement cher, plutôt pas mal. C'est vraiment le truc, j'en ferai bien, ok, d'accord. J'en ferai. Ah oui, mais Alex m'avait envoyé des photos de son setup, j'ai oublié, mon petit Alex.
J'ai oublié de mettre la photo, sinon j'aurais vu. Parce qu'Alex, il me fait des photos de chez lui, quand il regarde sur son écran et tout, j'étais geek. Merci, copain. Voilà. Voilà, donc revenons à Jimmy. Jimny. Voilà, donc il est pas mal. Enfin, il est pas mal, c'est pas ouf. Je vous rappelle, la voiture de ma copine s'est noyée. Hein. Elle s'est noyée dans. Il y avait quand même beaucoup d'eau. Hein. J'avais de l'eau jusqu'en haut des genoux quand même. Parce qu'ici, quand ça pleut. Et on est passé, il y avait une petite cuvette, une voiture qui arrivait en face, les vagues et tout, moteur mort. Voilà, simplement, on était chez MG. Il faut changer le moteur. Voilà. Donc ça va, elle avait pris l'assurance tout risque. C'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Bah, parce que la voiture, elle a 1 an. Donc du coup, changer le moteur, une bagnole qui a 1 an. Non, mais c'est l'assurance. Heureusement, grâce à l'assurance tout risque. Oui, bah toi aussi, ça te fait drôle. Moi aussi, quand je dis l'assurance tout risque. Heureusement, c'est Looping qui s'occupe de l'affaire. Non, c'est Futé. C'est Futé, bien évidemment, qui a négocié pour nous. Donc, ils vont changer le moteur et on aura un moteur neuf. On repart pour un rodage et tout. Mais j'ai dit, fais chier, parce qu'ici, quand il pleut, bon, elle est bien, cette petite bagnole. Mais voilà, quoi. Dès qu'il pleut, ouais, tiens, si prochaine pluie, machin, on sait qu'il faut éviter les flaques d'eau presque. Parce qu'ici, les flaques d'eau, c'est des lacs. Alors, faut attendre que le lac il se vide et qu'on repart. Donc du coup cette bagnole est pas trop trop mal parce qu'elle n'est pas excessivement chère, c'est une Suzuki, donc voilà, pour peu qu'elle soit assemblée en Thaïlande machin et tout, c'est pas une bête de course mais elle est assez haute et elle a son petit look, tu vois. Après, bon, je dis pas que je vais me l'acheter parce que j'ai pas de thunes, mais si un jour j'ai les thunes et si un jour on peut revendre la MG et acheter une autre truc, je préfère acheter ça. C'est pas ouf hein, mais encore une fois, le jour où il pleut on n'a pas peur de sortir, là on part comme des cow-boys, voilà. C'est simplement pour eux, voilà. J'avais envie de vous parler voiture aujourd'hui. C'est vendredi, le mec il a envie de parler voiture. Bon, enfin, on parlera du. Il y a le teaser de Daredevil saison 3. Oh, ça a l'air bien. Oh, c'est vrai, hein, mais je pense que je suis un peu comme Captain Popcorn quand il dit. Je pense Daredevil c'est la meilleure série Netflix, quoi. Parce que bon, Jessica Jones, oh, déjà la première saison, oh, j'ai même pas regardé la deuxième parce que oh, tellement. Voilà. Bon, Luke Cage, bon bah ça va, le gros black et tout, mais il est aussi con qu'il est baraque, tu vois. Donc du coup, bon, la saison 1, machin, saison 2, voilà. Mais la saison, tu la regardes, on se dit, tiens, quand même, t'es quand même con, comme tes pieds. Bon, on parle pas de Fistfucking là, Iron Fistfucking, où lui, voilà, il a la palme d'or de la blondeur, tu vois. Donc, putain, c'est dur. Mais Daredevil, ça sent bon, là, avec le méchant et tout. C'est une de leurs meilleures, je pense, vraiment. Donc, je suis aussi impatient, là, mi ou fin octobre, là. Comme, du coup, on a renouvelé à Netflix. Alors, bon, bah, du coup, parce que ma copine, elle est sotte, des fois. Bon, elle a pris 1 mois à Netflix pour essayer. Qu'est-ce qu'elle a cru? Que quoi? Au bout d'un mois, et c'était fini? Bien sûr que non. C'est renouvellement automatique jusqu'à ce que tes enfants se rendent compte que tu as un abonnement que tu regardes plus, puisque tu es mort depuis longtemps. Donc du coup, elle me dit, putain, ils ont prélevé, on est reparti pour 1 mois. Puis une fois que c'est prélevé, mon pote, je peux te dire, va te désabonner, il doit y avoir une lettre de résiliation 3 mois à l'avance, savoir que dans 3 mois, je veux résilier parce que voilà quoi. Et parce qu'on n'a plus de télé, voilà, inondé, la télé était dans la voiture est inondée. Donc on est reparti pour 1 mois, donc je pourrais regarder la saison de Daredevil en HD. Voilà, bon, tant qu'à faire, vu que c'est elle qui paye, ça fait bien plaisir. Voilà. Ça sera tout. Il n'y a pas eu énormément de commentaires par rapport à hier, vu qu'hier on était en live, on vous était tous un petit peu là, c'était pas mal. J'ai pas eu trop trop de blagues concernant mon chat. Ah, si vous n'avez pas vu la blague du chat, parce qu'il y a le fil du chat, et on a trouvé une nouvelle blague de chat. Donc si t'arrives et que t'as pas vu, bah t'es bon pour taper le replay d'hier. Ah, attends, on va pas. J'ai pas tout donné comme ça. Hein. Si je peux faire une vue de plus sur la vidéo d'hier, non, on lâche pas le morceau. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Il est quand même 21. Bon, on aura tiré 17 minutes avec rien. Hein. On est bien d'accord. Mais on aura passé un bon moment. On sera fait un peu plaisir. C'est vendredi. Plus de vidéos avant lundi où on se retrouve en replay et certainement en review. Pas de GLG vidéo, pas de machin. Je mettrai peut-être un peu de WTS parce que j'en ai un peu d'avance. Voilà. On se retrouve dans tous les cas pour ceux qui ne pourraient pas se passer de moi jusqu'à lundi. Ne rigole pas, il y en a. On se voit demain en live privé pour les tipeurs. Je vous rappelle, si vous voulez me payer un café, vous allez sur Tipeee, vous ferez augmenter un petit peu le compteur ici et vous rentrerez dans la grande famille et également dans la famille des cafeteurs, bien évidemment. Et donc, du coup, demain à 11h du matin, enfin, un peu plus tôt vers 10h, je vous enverrai un lien. Il y aura un live spécialement réservé aux tipeurs à partir de 11h. On parlera de cette nouvelle opportunité qui s'est ouverte à moi grâce à la prière.
Ah putain, je peux dire. Ça c'est du teaser de la mort. C'est tout. Le nouveau business qui s'ouvre à moi, bah j'allais dire à nous, mais c'est moi et mon ego, donc on va mettre tout ça dans le même panier. Voilà, on en parlera demain. J'ai noté pas mal de trucs qui sont intéressants et comme toujours, ceux qui seront en live pourront me poser des questions et ceux qui seront pas en live pourront me poser des questions directement sur Tipeee si vous n'avez pas l'occasion d'être là. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie tous d'être passés, d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi. Hein, j'étais mieux que rien. Moi, je souhaite à tous un bon week-end. Profitez bien. Ici, il pleut, mais il pleut une heure et après, il fait beau. Là, il fait pas beau. Mais bon, demain, il fera beau, il paraît. J'ai vu ça dans la météo, c'est obligé. Bon week-end, profitez bien. On se voit demain pour les tipeurs. Sinon, les autres, on se voit lundi. Merci d'être passés. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi de rigolade, de plaisanterie. Les Chinois reviennent de vacances demain. Donc, la vie reprend lundi. Paix et prospérité. Bonne journée. Bye bye.